Voilà, les prisonniers ont décidé de boycotter. La police est entrée à la prison centrale de Yaoundé pour fouiller. Regardez comment le local est bazardé. Ils ont bazardé partout. Les détenus ambazoniens du MRC et les autres détenus ont donc décidé de sceller et de prendre les policiers en otage, les policiers de Mbarganguélé, ils sont en otage. Ils sont en otage dans ce local. Ils sont bloqués. Ils sont en otage. Ils sont bloqués en otage. Là-bas à l'intérieur où vous voyez là. Ils ne peuvent pas sortir. Ils sont bloqués. On les attend. On va les filmer tous. C'est grave à la prison centrale. Vous me regardez. Les policiers sont bloqués à l'intérieur ici en otage. On les a pris en otage. Ils ne peuvent pas sortir. Les policiers sont venus pour fouiller à la prison centrale. Ils ont reçu les informations qu'il y a des armes ici. Et maintenant, tous les prisonniers ont donc décidé de prendre ces policiers en otage. Les policiers de Mbarganguélé sont en otage à la prison centrale. Les policiers de Mbarganguélé sont en otage à la prison centrale. Vous-même regardez. Regardez. C'est grave ici. C'est grave à la prison centrale. Les policiers de Mbarganguélé sont en otage à la prison. Vous-même regardez. C'est grave. Les policiers de Mbarganguélé qui sont en otage ici là sont. Il faut informer à l'opinion internationale et nationale que les policiers de Mbarganguélé sont en train de se négliger. Les policiers de Mbarganguélé sont en otage à Konéli. Les policiers de Mbarganguélé sont en otage à Konéli. Ils sont bloqués à l'intérieur là-bas. Les policiers de Mbarganguélé sont en otage. Ils sont bloqués à l'intérieur. C'est grave à la prison centrale.